now with a bit Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tous vos proches se portent bien, et bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez tout simplement aujourd'hui nous accompagner à Paris chez Ubisoft. On vient de se réveiller, enfin Momo vient de se réveiller une petite heure. Moi je n'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche, j'ai même fait des petits snaps et tout parce que j'ai tapé des sushis je crois à 4h, 5h du matin. Voilà, donc je savais pas quoi faire, donc je me suis dit bon je vais manger, je vais me caler devant Pokémon et puis voilà. Momo vient juste de se réveiller. Salut les gars. Salut Momo. Momo il vient de se réveiller, il a pris sa douche là. Ouais. Et comme vous le voyez, je vous le montre hein. Il est 7h13, regardez. Et on a le train dans une heure pile. Une heure et trois minutes. Donc c'est parti. J'espère que ce petit voyage avec nous va vous plaire. Donc là, comme vous le savez, on est donc à Paris pour l'événement avec Ubisoft, tout simplement pour le jeu Watch Dogs, comme vous le savez, normalement. Des vidéos vont pas tarder à arriver sur la chaîne au niveau de Watch Dogs, mais on va quand même faire un petit tour et je vais quand même vous montrer tout ça. On va aller voir des petits potes youtubeurs, des mecs en or vraiment, des mecs en or. On va aller voir là-bas un petit peu ce qui se passe et c'est parti. Il y a des youtubeurs ici. Ils sont en train de faire du deal du shit. Laisse-nous dans nos trucs frère, on est en train de dealer du... C'est ici, du waouh waouh. Du... La réserve c'est là frère, je cache tout ici. Du waouh waouh. Bon petit pour moi. Qu'on pouvait voir la coupe de bien Prime. Bien fait de fou putain. Mais joué ils ont gonflé, toujours t'as pas d'argent, c'est ça. Et là ici, on a le cercle. Le cercle. Ça parle de piratage et tout. Au revoir, à bientôt. Daniel, prends soin de toi mon pote. What up. Aïe, Mediba, attention. Yes, yes, yes. Toujours aussi beau gosse. Aïe, Prince. Aïe, aïe, aïe. On est là. Toujours avec la casquette. Ouais, j'étais malade ou quoi? Allez, vas-y, c'est bon, fais passer le. D'accord. Sergueï. Bonjour, monsieur. Sergueï. Bonjour. Sergueï, aïe, 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 aïe. Quand j'étais dans le terre-terre. Le serpent, aïe, aïe, aïe. On est là. Marie. Chendiru. Non, on s'en fout de lui. Yes, c'est pas gentil. Est-ce que tu fais un gros zoom sur ma tête là? Non, pas du tout. Un téléphone qui sonne. Donc voilà, je vais vous montrer un tout petit peu l'arrière aussi, on va la laisser tranquille. Ils sont dans leur cercle, là c'est le cercle. C'est le cercle. Ah ouais. Et ici, c'est la petite salle. Aïe aïe aïe, Dylan Del Rey. Représente la Bretagne, frérot. Non, quand même pas, Dylan. Joule. Comment on fait Caris, c'est comme ça, non? Ouais, voilà, c'est mieux hein, quand même. Aïe. Donc là, la chose, vous savez, pour pirater, ça se passe à l'intérieur. Et ici, c'est une petite salle, cool Raoul. Ils sont en train de faire quelque chose. On va les laisser du coup. Là, c'est la petite salle, vous voyez. Petite salle de hacking. Regardez. Ok. Bon, ici, il y a tout ce qui est PC et tout. On va tous la douche. Monsieur, 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 ça, vous évitez de parler arabe ici, on est en France. Ah, et c'est vrai, excusez-moi. Merci, monsieur. Ça mène moque. Que des arabes ici, que des arabes. Non mais vous avez vu ça quand même. Ils sont partout ces arabes là, ils sont partout. Ici c'est pour faire des photos tout simplement. Voilà, vous voyez. Il y a voilà, une petite image ici, on se met là et on peut faire la photo. Et là, comme vous pouvez voir, il y a Momo qui a fait une vidéo avec une photo avec eux. Voilà. Voilà. Super. Merde. Ça devient con là. Voilà. Donc je ne pourrai pas filmer de l'autre côté pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le droit de filmer de l'autre côté tout simplement. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement encore à Paris. Oui, je ne suis pas rentré à Grenoble, il est 1h47 du matin et on est le 23, c'est-à-dire que maintenant tout de suite j'aurais dû déjà arriver à Grenoble. Et là normalement je suis en train de vous préparer une autre vidéo à Grenoble, mais non, je suis resté à Paris. Pourquoi? Parce que j'ai sympathisé et j'ai parlé avec beaucoup de collègues youtubeurs
qui ont finalement été très sympas avec moi, très respectueux, on a bien parlé, vraiment. Et on peut voir que les youtubeurs sur Twitter et les youtubeurs dans la réalité ne sont absolument pas les mêmes personnes. Et ça m'a fait extrêmement plaisir que certains youtubeurs carrément viennent me voir, discuter avec moi. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai sympathisé vraiment avec beaucoup de personnes. Et donc, j'ai décidé quand même de rester à Paris pour passer une petite soirée avec eux. Et du coup, c'est pour ça que je suis resté à Paris. Et là, tout simplement, Ubisoft nous a pris une petite chambre avec Tata. Parce que je remercie encore Camille, comme d'habitude, parce que voilà, Ubisoft sont vraiment super. C'est vraiment un partenaire vraiment super. Quand t'as besoin, ils sont là. Si t'as besoin d'un billet, ils sont là. Si t'as besoin de décaler ton billet, ils sont là. Si t'as besoin, vraiment, c'est le partenaire le plus serviable que je n'ai jamais vu au monde. Alors, je leur ai dit que j'avais envie de rester ici à Paris. Elle m'a dit, écoute, je m'occupe de ça. Je vais tout de suite te prendre une chambre. Elle m'a pris une chambre avec tous mes collègues youtubeurs. Aujourd'hui, on est tous dans le même hôtel. Paris République. C'est un grand hôtel. Normalement, maintenant, quand vous regardez la vidéo, on n'y est plus déjà. Tous, pour la plupart en tout cas. Pour, je dirais, 99%. Hein, y a plus personne, je pense. Mais voilà, en tout cas, l'événement était vraiment super. Les vidéos sur Watch Dogs vont arriver, hein, peut-être pas en pleuvoir énormément, mais j'en ai tourné pendant très longtemps et j'en ai tellement tourné, hein, des vidéos chez Ubisoft, tout simplement, c'est qu'au bout d'un moment, le mec d'Ubisoft m'a dit « Allez, c'est fini, on arrête tout, on remballe tout, c'est fini ». Donc j'ai dû forcément arrêter mon petit Watch Dogs et vraiment, je suis dégoûté parce que j'ai regardé tout à l'heure sur la clé et en fait, mon dernier gameplay, hein, je vous ai fait plusieurs séquences de Watch Dogs, je vous ai montré quelques petites missions, les choses qu'on peut faire dedans et tout, et j'ai dû couper carrément une séquence, j'étais dégoûté en fait. Parce que carrément il y a tout qui est buggé en fait, ça, en fait j'ai perdu toute une séquence en fait. Donc j'ai dû enlever la séquence. Il restait 20 secondes de vidéo alors que la vidéo faisait 20 minutes ou 10 minutes en fait. Bah, donc du coup en fait j'ai tout enlevé quoi, j'ai coupé, je l'ai enlevé. Voilà, ça m'a dégoûté parce que je vous avais fait 4 vidéos et au final je crois qu'il n'y en aura que 3 ou 4. On verra, j'essaierai de m'arranger avec les coupures, on verra bien. En tout cas voilà, on est à l'hôtel, je vais vous montrer un tout petit peu. Hop, on est dans une chambre là. Tata elle est là, en train de prendre sa douche. Normalement vous la verrez pas, parce que bon, elle est en train de prendre sa douche. Voilà, donc là c'est la salle de bain, je vous montre vite fait. Vous la verrez pas, de toute façon elle est cachée derrière avec un rideau et tout. Ta gueule, t'es moche. Voilà, donc là il y a Tata. Là, attendez, je vais essayer d'allumer la lumière. Est-ce que c'est la lumière? Ah pardon, excuse-moi, je te remets la lumière. De rien. Il fallait pas me dire que c'était la lumière. Voilà, j'allume la lumière. D'accord, je rigole avec toi mon cœur. Donc là, voilà, c'est le petit truc quand on rentre. Hein, voilà, là c'est la porte. Là, voilà. Là, voilà, pour mettre des affaires. Ici, un mini coffre. Tout simplement. Ici, un mini bar. Bon, c'est pas servi. Il y a que ça. Bon, on l'a eu chez Ubisoft. Du coup, on l'a mis au frais, c'est tout. Ubisoft nous a ramené pas mal de petites boissons, il y a vraiment à bouffer et tout. Là, bah, on n'a rien touché, il y a du vin, il y a... Bon, moi je bois pas tout ce qui est alcool, donc ça, ça sera pas touché, hein, voilà. Quoique, il y a une fiole qui a disparu là, c'est genre le mec. En tout cas, moi je bois pas d'alcool, je crois que c'était la fiole qui était... Voilà. Voilà, voilà, donc, ouais, moi je bois pas d'alcool, donc c'est mort. À la limite, boire une petite Red Bull ou un petit Coca, ça me tenterait bien avec un petit paquet de Pringles. Et d'ailleurs, je me demande, tiens, en ouvrant ça, je me demande qu'est-ce qu'il fout ici, le paquet de Pringles, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il y a un paquet de Pringles ici ? Pourquoi il y a des cacahuètes ici ? Ça, je mangerais bien aussi, tu vois. Donc ça, on n'a rien rajouté, on n'a rien mis, on n'a rien enlevé, c'est à l'hôtel, tout simplement, c'était comme ça. Sauf nous, on a juste touché à ça, en fait. Il y a juste ça qu'on a rajouté dedans parce que bah, c'était à nous, en fait. Comme je vous ai dit, on l'a pris, on l'a mis dedans. À l'intérieur de ça, il y a un très très beau cadeau. D'accord, que Ubisoft m'a offert, et qui nous a offert plutôt. Je compte sur vous. Explosez-moi la barre des likes. Je vous jure que si il y a les 5000 likes, je vous fais un unboxing de ce qu'il y a à l'intérieur. Et croyez-moi, il y aurait quelque chose qui va vous étonner de la part de Ubisoft qui nous a offert. Vraiment les gars, explosez-moi la barre des likes. Et pourquoi je demande 5000? C'est que j'ai vraiment pas confiance en vous les gars. 15 000 likes les gars. 15 000 likes, je sais qu'on est largement capable de les faire. Easy mon gars. Alors vas-y, exposez-moi cette barre de like, je compte sur vous. Donc là tout simplement c'est les lits. Voilà. Voilà, voilà. La petite lampe ici, un truc pour s'asseoir ici. Ah, on a pris ça là, le fuck. Hop. J'ai pas envie de vous spoil pourquoi ce fuck là en fait. Vous voyez. Bon, vous savez c'est le fuck de qui maintenant, mais voilà, donc on a pris quelques petites photos aussi hein. Quelques petites photos sympas, donc Momo avec Faïz. Moi et Momo.
Encore My Momo. Encore My Momo. Il aime bien les photos, Momo, vous avez vu ça? Une de Momo tout seul, le tag. C'était vraiment une super journée, voilà, tout simplement. Voilà, bah là, c'est la chambre, voilà. Avec la petite télé ici. Un petit bureau ici. Voilà, c'est bien cool en tout cas, c'est vraiment sympa. Et encore merci à Ubisoft pour cette chambre, c'est vraiment très gentil de leur part. Et vraiment, bah, c'est cool en tout cas. Pour ceux qui se diraient, ouais, mais il est où, Momo? Il est où, Momo? En fait, Momo, il est juste dans la chambre, juste en bas, avec Faïz, tout simplement. Voilà, il a pris, en fait, nous, on a un lit avec l'IA et tout. Et Momo, en fait, il a voulu rester en bas parce qu'en fait, Faïz, il y a des potes, il y a Joe Space et tout, il y a du monde en bas. Donc, ils sont restés ensemble et tout, tranquillement, en train de fêter ça, tranquillement, rester entre potes et tout. Et moi, l'IA, voilà, bah, on se met dans notre chambre, tout simplement. Momo a voulu rester avec eux. Il aime beaucoup Faïz, en fait, ils s'entendent vraiment bien. En fait, ils sont tous les deux très, très cons. Et du coup, ils s'apprécient énormément. Donc, voilà, je les ai laissés, Momo tranquille avec eux, en bas, voilà. Donc voilà, voilà les frères, cette petite vidéo arrive tout simplement à son terme, hein. J'espère en tout cas que vous l'aurez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner pour plus de vidéos. Nous, tout à l'heure, on prendra le train. Je ne sais pas encore à quelle heure, je ne sais pas si on va galérer, je ne sais pas si on va pas galérer. Mais en tout cas, voilà, Camille s'en charge, elle nous trouvera un petit train pour retourner à la maison tout à l'heure. Et puis voilà, ce sera cool. Bref, je vous remercie en tout cas. J'espère qu'on vous a fait un minimum voyager avec nous, en tout cas à Paris. On n'a pas voulu vous montrer les séquences de train parce que je pense personnellement, les frères et sœurs, que vous savez ce que c'est qu'un train, vous savez ce que c'est que des arbres. Donc voilà, de temps en temps, si vous aimez vraiment que je vous filme un tout petit peu des séquences comme ça, je le ferai. Mais voilà, je voulais pas vous mettre une caméra comme ça avec le train et que ça avance comme ça, voilà. Je voulais vraiment vous filmer en tout cas le plus important, vous partager un tout petit peu les moments les plus importants, voilà. Et en espérant que ces moments-là vous plairont, les frères. S'il vous plaît, en tout cas, vraiment, comme d'habitude, je compte sur vous. Explosez-moi la barre des likes, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour le petit unboxing de la boîte de Watch Dogs. Et je compte sur vous, explosez-moi cette barre des likes. Et la prochaine vidéo sera le colis. Explosez-moi les likes ce soir. Demain, il y a le colis qui sort. Allez bref, prenez soin de vous et de votre ami fan comme d'habitude. Ciao.